Bonjour. Bonjour. C'est Retro Twan avec Skadi en voice chat avec moi. On va continuer aujourd'hui Soma. Et ma première fois que je joue le jeu. J'ai déjà vu quelqu'un le jouer par contre, mais ça fait vraiment longtemps. Fait que je me souviens de rien. Parce que même si je l'aurais joué genre le mois passé, il y aurait bien des choses que je me souviendrais plus. C'est un de tes problèmes. Ouais. Ou avantage de pas avoir. Ouais, ça, c'est quand même un avantage en stream, je trouve. À part si. Si ce serait un jeu genre que. Je sais pas, que je fais souvent en stream, mais ça pourrait être fatigant, là. Mais sinon, comme avertissement, comme que je fais au début des vidéos, le jeu est en anglais, sous-titré anglais. Je me souviens même pas s'il y a l'option de le mettre en français. Ce qu'elle dit, puis moi, on va se parler en français ensemble. Puis, on va traduire les textes en français aussi. Dans le fond, c'est ce qu'on fait avec la majorité de nos jeux. À part les jeux qui c'est juste comme écrit, là, il y en a beaucoup qu'éventuellement on met juste en français, là, mais. Sinon, les jeux, on fait ça pour aider, dans le fond, les Français avec leur anglais. Puis les quelques Anglais qui viennent, qui connaissent le français avec leur français. Sinon, on venait de rentrer dans la salle de communication. On avait lu, me semble, cet ordinateur-là. Me semble. Sais-tu? Ouais, c'était comme des affaires audio qu'il fallait faire. Puis on était rendu à lire les notes ici quand on a écrit. On va regarder ça. Fait que New York, le statut est hors ligne. Le dernier contact, c'est le 10 janvier 2103 à 19h24. Ça dit le message, c'est John Z. Les bureaux se ferment. Tout le monde est en train de se faire évacuer. De la part de tout le monde ici, je voulais te dire que c'était un honneur de travailler avec toi, puis Obsolum. À la prochaine, puis bonne chance dans l'apocalypse. Je sais pas que tu peux dire quoi vraiment français. Bonne chance. Déjà. C'est juste bonne chance oui. aussi. Bon. Lisbonne, qui est le principal, ça dit pas ça. Ça. Lisbonne, le principal, ça dit que le statut est hors ligne. Le dernier contact est le 12 janvier 2103 à 4h52. Le janvier, lui, c'était 10, 2 jours plus tard. Puis là, ça dit que le message, c'est mise à jour sur les mesures de défense. Le dernier effort de la communauté globale pour prévenir la collision a failli, a échoué. Pathos 2 devrait faire un effort final pour s'occuper, dans le fond, du tremblement de terre inévitable qui va suivre l'impact. Le temps estimé de l'impact serait 5h13. Fait que, genre, 20 minutes plus tard pour le Ouais, message. vraiment pas longtemps après. Ouais, c'est ça. Puis c'est signé Liz. Londres, le statut est hors ligne. Le 11 janvier 2103, fait une journée avant le dernier message qu'on avait. Le message. Chère Miss Fictice Jones Dottir, je ne sais pas comment prononcer comme vous. C'est avec grande tristesse que je dois t'informer que le bureau va fermer et ne pourra plus supporter Obsolum puis Pathos 2. Je dois prendre cette chance pour vous remercier. Ton superviseur Jane Adams et le reste de ton équipe. Vous êtes vraiment
magnifique groupe. C'est avec grande confiance que je dis que où est-ce que nous, on va faillir. Vous, vous allez sûrement continuer avec bravo. Sincèrement, le directeur de système, James Bloom. Sinon, on a Cadiz, que c'est un auxiliaire. Ça dit que le statut est hors ligne. Le dernier contact est le 12 janvier 2103. À 5h12. Puis ça, ça dit le message. John Z. Je sais que tu as une plus grande chance de survie, mais on a la meilleure vue. Au revoir. Mm-hmm. Donc ça, c'est juste 4 minutes avant l'impact, ça va? Ouais, une minute avant l'impact. Ouais, même pas une minute, genre. S'il était vraiment à l'heure que c'était estimé que ça allait arriver. Ouais. Oh, on va cliquer là-dessus. Le lien, lui, mort, est brisé, puis ça demande, dans le fond, d'aller le réparer de façon normale. Genre, je peux-tu quand même aller s'il va faire là? Fait que c'est impossible d'appeler Epsilon de Epsilon. Logique. Je me souviens pas, la personne a dit qu'elle était à Teta, me semble. Qu'on n'appellera peut-être pas tout de suite de tout. Oh, on va essayer les autres. C'est particulier, quoi. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Bah, une personne morte. Strange. You're telling me. Depuis des années, ils sont suivis avec ça. Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Non, je l'ai appelé les autres places. Hein. Shit, where do I... Where should I... No, it's not. Bloop, bloop. C'est pas mal ça. Hein. Surtout qu'il est en train... T'imagines-tu là, que tout l'eau rentre dans sa bouche en même temps? Puis on sait pas à quel... Profondeur, quand même. Profondeur, ouais, fait que. Bloup, bloup, qui se couche. What? What the hell? How is this possible? This is insane! Fait qu'on voyait pas nos bras comme il faut, parce qu'apparemment, on a une soupe de. Sous-marine. Shiny. Puis la façon que tu dis suit, c'était quasiment comme si c'était soupe. Une soupe? On a une soupe sous-marine. Ouais. On peut jumper, mais pas long. Pas longtemps, puis pas loin. J'essaie de nager, genre. Ça explique le bruit comme qu'on faisait quand même lourd. Parce que c'est une soupe de même d'avoir comme du plomb dans le fond pour te permettre de marcher comme plus dans le fond de l'océan. Mm-hmm. Bon, tu crées avec le temps qu'on serait probablement ici.
qu'il n'y aurait plus de, d'oxygène dans l'air dedans. On s'en est peut-être pas rendu compte. Landa, find the shuttle to Landa. Hein? On s'en est peut-être pas rendu compte que l'air a fini, fait que... Ça en rendrait compte, je pense. Surtout dans l'autre main. Hein? Pas si on se fie aux autres robots. T'as-tu dit qu'on est un robot? Théorie. Si on s'est pas rendu compte puis qu'on voyait pas nos bras comme qu'ils étaient pour de vrai. C'est vrai que l'autre se voyait encore avec ses membres humains. Mm-hmm. Quand il avait dit ces commentaires-là, justement, j'avais eu la vague pensée, genre comme peut-être qu'on serait un robot nous aussi, parce qu'on voit nos membres quand même, mais que ce serait pas pour vrai. Avec lui, sur le coup. Où est-on comme ça vidé? On n'entend pas de son, donc je penserais pas. Ouais, nice. C'est pas le mieux, c'est ça. Absolument. Faut aller vite en titi en tout cas dans l'eau aussi. Ça s'est animé quand j'ai quelque chose. Vraiment pour te dire que c'est par là qu'il faut tailler. Ça veut dire que ça va pas prendre. Pas du tout, en tout cas. Allez, voilà, pas de ce soir. Mm-hmm. Moi, genre, le bruit que ça fait quand on sort dans l'eau, en plus, ça fait comme pas mal. Hein? Genre, propulsion. Hein? On arrête sur nous, genre. Circle. Ok, c'est moi comme un landing pad, hein? Un cercle étrange. C'est vrai que ça semble un landing pad aussi. Normalement, ils mettent un X au milieu pour mieux voir, mais... Bien sûr. Ok, non, c'était ce bord ici ou justement à l'autre affaire. Ok. C'est ça. Transport de Zeppelin. Tu t'es pitché. Ouais. Ouais, vas-y. Ça m'a fait penser à Isaac dans Dead Space. C'est vrai. Pis c'est quoi toi, t'allais dire? Moi, l'autre théorie que j'ai pensée, c'est genre, j'avais pensé qu'on était peut-être comme plus le programme qui font les tests dessus, mais genre, ça aurait pas été logique qu'on se ramasse en dessous de l'eau, genre. Parce qu'on avait lu comme le texte qui disait que il faisait comme un autre de nous pour comme faire comme tous les tests dessus, puis même s'ils échouent plein de fois, ça ne dérangera pas, puis attendre d'avoir comme le bon traitement pour le patient. Genre. Mm-hmm. Ce serait pas logique qu'on se ramasse ici si c'est ce que c'est le test-là, mais l'arrivée du robot, j'imagine, pourrait être quand même correct. Hein? Oui, aussi. Encore là, comment est-ce qu'on s'est ramassé dans le robot? Good
moi que ça allait dire. Au moins, il n'y a pas l'air d'avoir rien autour de l'eau, de méchant. Mm-hmm. Comme un junkie au gel. On dirait. Je te bouge dessus. Ok. Je pense que c'est étrange que ça nous emmène vers là. Okay. C'est-tu un zeppelin qui a écrasé? On dirait l'image un peu de ce que ça montrait à la fin des zeppelins. C'est peut-être le codon. C'est le structure. Apparemment, c'est ce qui coule des murs, ouais. Je pensais, moi, c'était peut-être l'affaire bleue, genre. Chani bleue, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais il me semble qu'il y en a pas assez pour que ça paraisse comme ça. Pas assez liquide. Mm. C'est juste des spots. Ouais. Tu fais une bonne chose à voir. Friend. Je pense que c'était cette affaire-là que je me souvenais d'autre du jeu, justement. Ouais. C'était Markiplier que j'avais regardé? Oui, qui s'appelle Bubble Butt. Ouais, c'est ça, je me disais, mais ça, c'était comme Bubble Butt. Je ne me souviens pas. C'est censé me montrer où aller. Oui, monsieur. Il y a l'air de monsieur. Peut-être pas. Ouais. Est-ce qu'il pourrait réparer ça, toi? Ouais, ouais, là. Ça, on a l'air de peut-être pas rentrer dedans. C'est l'un de. Moi, c'est au coup pour pas que tu manques quelque chose. Il me semble que ce Bubble Butt, il peut ouvrir des portes qui sont fermées. Ok. C'est un laser qui est genre. Fait que je sais pas si tu viens, on avait des portes avant. Je sais pas s'il peut se faire ouvrir ou pas. Tu sais, les rondes que t'as cliqué dessus, là. Puis qu'il peut pas ouvrir. Yeah, juste. Une que j'essaie de cliquer dessus avec sur le bouton. Ouais, ben, je me sais pas si y en a plusieurs ou juste une, là, mais c'est juste. Il me semble que tu peux ouvrir des portes avec lui. Pas méchant, là. C'est pas mal. Peut-être de même, je l'entends plus. Je sais peut-être pas exactement où est-ce qu'il est. T'en vas voir là, dude! Il a l'air super intelligent. C'est ça? Yeah.
És sérem a... Yep. Walking fast. Seeing a monster, walking faster. C'est ça. Exactement. J'espère juste que je suis pas envie dans une wild goose chase pour rien. Mais c'est... On va voir. Mais c'est au cool. C'est comme si c'est des yeux rouges qui te regardent au loin là-bas. Creepy as fuck. C'est un gros monstre qui bouge ses yeux pour être sûr de t'en regarder comme il faut. Ouais. On a peut-être pas la foi non plus qui permet d'ouvrir la dent. Peut-être, c'est vrai. Peut-être qu'il faut avoir vu le tutoriel, genre, il est pour le faire. Vraiment devenir agressif en l'air. Bon, pour l'instant, il te suit, fait que. On peut les yeux rouges, puis. Puis que ça fait cet effet-là quand on approche. Ok, tu parles du dos qui parle. Probablement. Ouais. S'il bouge, probablement. Il n'a pas l'air d'attaquer le petit robot. Au moins. Puis là, je m'en allais vers la bonne direction. Tu dis ça de mon coup quand je m'en allais vers là? Non. J'en ai aucune idée. Thank you.
Ils m'ont pas peur, le mind. C'est juste voir les appareils qui me fait foquer le mind. Ça se peut. Ça serait weird. Hein? On a de la misère à assumer qu'on est sous l'eau en train de pouvoir respirer. C'est vraiment. Ok, il y en a un là. Ils peuvent être quand même haut dans les airs aussi, ça veut dire? On dirait. Dans les airs. Un game. Dans les airs d'en haut. C'est ça. On est tous encore dans la même section que nous, on est revenu ici. Ben, on est tous dans la même section d'Obsidon, on dirait, mais. Ça rend de revenir sur mes pas. C'est pas pareil. Let me jump! Vas-y. Il y en a deux, on dirait, dans cette section-là. À moins que ce soit juste une affaire au loin encore. Gossier. Sneaky. Shuttle Station. Il me semble qu'il n'y avait pas. Amy n'est pas censée être là-dedans, justement. Wow! Ok. La dude. J'avais même pas essayé de peser dessus, putain. T'as pesé dessus. Il avait commencé à ouvrir la lumière avant que je pèse dessus. Ok. On voit sa torche. Well, thanks, little guy. Il servait juste pour cela, apparemment. Parce que... Hi. Ça va. Fermez la porte. Merci. Puis, être poli. Oh, c'est ça. C'est l'identité de Amy qu'on avait sur notre omnitour? Apparemment.
nous sommes Amy. Ouais, c'est ça. On est chanceux qu'il nous laisse rentrer, Don, parce que... Puis oui, un lag. On est chanceux qu'il nous laisse rentrer. C'est inconsidéré encore à l'intérieur ici. Ça doit faire un bout qu'il y a de l'eau dans cette section-là, là, pour qu'il y ait comme toutes ces barnacles. Le cache-là. Puis... Non, ça faisait une centaine de jours, je pense. J'ai juste cliqué dessus parce que je me souvenais pas si on en avait une, puis apparemment. Ah, fait que c'est quoi tu dis, quoi? Qu'est-ce que je disais? C'est vrai que tout était shut down depuis comme 150 jours. Quelque chose de genre, ouais. Jackie? Come in, Theta. Hey, you okay? What? I can't. Where are you now? Jackie! I'm at the shuttle, but it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry, I'll fix it somehow. Genre, je sais pas si le tutoriel était censé te popper là, justement, ou si c'est juste parce que j'ai cliqué dessus F que ça l'a montré. Je sais pas. Ça fait un drôle d'adore. Mm. Hein, encore là, si on est un robot, c'est normal qu'on ait un implémenté, j'imagine. Mm. Before qu'on ait le temps de penser ça tout le long, puis finalement, ça fucking pas bon. L'électricité est suffisante. Hein. À moins de me healer, il n'y a pas vraiment rien que je peux faire qui me donnerait plus d'électricité. Si tu rentres dans le tini, est une façon de sortir, je sais pas. J'aurais pensé que c'était vers là qu'il fallait continuer. C'était la quantité de vespitude que la personne avait. Qui était émis qu'on pensait. Manifeste. C'est la route du Shuttle Beach. C'est de Upsilon B à Theta PR. Puis la date de départ, il n'y a pas de date. Puis après, c'est ça dit comme qu'est-ce qu'il y a dedans, je pense. Comme un lien de 250 mètres, le rapport de danger, le kit d'aidant, comme ceci, il y en a 4, puis gonfleur, mettons, automatique, il y en a 3. L'événement d'impact de Pathos 2, mémoire. En ce matin de janvier, du 12 janvier à 5h13, fait une minute avant l'impact. C'est ça? Alors, on s'est dit que la comète Talos a échoué dans l'océan Pacifique. Ouais. Bon, l'impact est mis comme une des plus larges collisions qui a jamais été enregistrée sur Terre. Toutes les évidences indiquent que la surface est rendue complètement déserte et puis capable de soutenir la vie. Pathos, la location unique de Pathos 2 lui a donné, dans le fond, une sûreté sans parallèle
de notre équipe. Un peu de dommages structurels a été noté, mais pas de décès a été reporté. La plus grande perte a été, dans le fond, la station de communication et des températures, localisée à la surface sur la plateforme Omega. Il n'y avait personne dedans. Ce qui est, sous les circonstances présentes, un petit prix à payer. Theta va faire une rencontre d'urgence pour discuter du futur de Pathos 2 et ultimement de l'humanité. Plus sur le sujet va suivre. Là, c'est dit la personne en charge, K4Cree, mettons. Donc, s'il y a eu une comète qui a comme échoué, le star, ça peut expliquer comme les espèces d'affaires qui ont l'air comme un peu alien, puis tout qui a l'air d'avoir infecté comme tout autour, genre comme les poissons, puis tout. Mm-hmm. Salut les affaires. Salut les affaires. Comment ça va aujourd'hui? On va regarder un peu plus haut. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just... I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know? I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. I love you, Amy. I always have. And always will. Oh. Ça explique que c'est avec un des dessins de Amy. Là. Ça, c'était pour elle, ce message. On n'a pas l'air de pouvoir rien faire dans ce château. T'as-tu encore ta torche? Oui. Ou non? Oui, ok, je... Pourquoi? Parce que quand t'avais soulevé le terme brun, je me demandais c'était quoi, parce que je le voyais pas. Ben, je le... Ah, oh, c'était, c'était des cannes de décosse. Ah, ok. Un peu de ménage, ça. Mm-hmm. Ça va bien cool. Ça va bien ici. Fatigué un peu, mais ça va. J'ai tout fini dans le deux. Avec tous ces 10. Ok. Ouais, tu sais, il y a un New Game Plus que tu peux faire. Mm-hmm. Ça explique pourquoi on a l'air de sailer, puis c'est quasiment comme de l'électricité. Si on se fait à la plage. Celui-là, il Jesus Christ! What the hell? C'est vrai qu'il y a d'autres donjons, c'est que tu peux jouer. C'est un très bon point. Tu l'avais-tu déjà fait, le 3? Je sais me mettre la mieux le temps que je fais ça. Pat-pat.
sais pas si c'était quoi que t'avais dit que t'avais fait dans les From Software. Je trouve ça fun que l'auto-save, c'est comme un scan de cerveau. Je sais pas. Via médical. Les scans, c'est comme plein de rayons X qui prennent, genre comme back à back. Et c'est pour ça que quand tu regardes les scans, c'est comme saccadé, si on veut. Parce que c'est comme tranquillement, tu regardes image par image. Et quand vous regarderez l'autosave, là, tantôt, il va en avoir un prochain. Vous verrez un peu comment, qu'est-ce que je veux dire. Font comme des tranches de X-ray, genre comme de la place qui s'y scanne. Une image des tranches de cerveau. C'est que ça, mais en image. Hey, are you? Don't hurt me! Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Is that all fixed? Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. C'est comme si c'était des poumons, genre à l'extérieur. Ouais, qui respirait pour elle. C'est lié à elle. Je ne déclencherai pas ça. Il y en a deux, techniquement. Ouais, mais. Si on veut. J'imagine que ça dépend si. On a besoin du Timmy ou pas. Ah, que voici ça qui donne le pouvoir à l'électricité au chaton. Non! Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Ça dit que là, c'est instable. Je sais pas si c'est ce passé. On va pas partir. En même temps, c'est comme. J'ai l'air de souffrir, mais elle nous demande d'aller demander à quelqu'un de l'aider. Genre, c'est comme. Sauf que moi, je pense que tout le monde est mort. Ouais, toi, tu la débrancherais au complet. Ben, restez là assez longtemps qu'il n'y a aucune façon d'avoir l'air de recevoir de l'aide. Ouais. Laisse-moi pas là. Oh, fuck. Parce que, techniquement, elle est encore humaine, elle est encore vivante. Fait, qu'est-ce qui dit qu'il n'y en aurait pas d'autres? Hey, stock-là, ça veut dire que si les autres sont comme elle, ils peuvent pas bouger non plus. Fait que là, c'était rendu stable l'électricité. J'ai déjà joué fini une fois. Mais ça, software. J'ai pas fait ce qu'il montre ça. Ok. Allez, Mon Soul, c'est celui qu'on a lâché il y a pas longtemps, lancé il y a pas longtemps dans PS5. Il me semble que oui. Il me semble. Allô? Désolée, j'étais en train de. Je fais une copie de moi, peut-être. Ouais, non, c'est comme cette année, genre ouais. Au début de l'année ou quelque chose comme ça. Fait que là, ça ouvre cette partie. Fait que ça va nous emmener à Theta ici. Moi, je vais rentrer là. Bitch, je t'ai pas devant la château, là. Y a-tu un autre tour ces côtés qu'on pourrait nous envoyer là? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on se pitch devant le château, justement? Ça aurait été une option, mais c'était plus. Non. Ah, ok. Ça. Ça, c'est les serrures contre les inondations.
un kit dans le fond de réparation. Genre qu'il demande d'avoir ça? Des tuyaux adaptables? On dirait. Qu'il manque ça, tu penses? C'est super important de savoir ça. Ben oui. Regarde, Lore. Shuttle J6 activated. Standing by. Est-ce qu'on fait ces affaires-là? Apparemment. Fait que là, c'est on est à Epsilon B. On peut aller à Lambda, finalement. Je sais pas si c'était tout. Qui disait qu'il y en a? Ben, il y amène aux deux, c'est qu'il faut aller à Lambda en premier, apparemment. Puis il me semble que la personne qu'on a parlé, c'était à Lambda, Catherine. Yep. Elle était, finalement? Personnel, 4. Il disait qu'il y avait 4 personnels? Ouais. OK. Fait que finalement, peut-être la personne qui pouvait sauver l'autre était là. Regarde, si ça compte pas les robots. Non. On checkera. Your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become to the Omega Space Gun. The world's most affordable. Ah, Lambda, écoute une annonce de. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles. Without risk of damaging the payload with risky combustion, it spans multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There, you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Awesome. Ça dit le temps estimé d'arriver, puis la profondeur où on est. Truc drôle. Une des images qui montrait, c'est... Le chemin textueux. Arrête. De façon... Le quoi? Qu'est-ce que c'est? Deux choses. La première... Une des images qu'ils ont fait? Ouais, c'était... Ouais? Une image de meme. Fait que c'est drôle. OK. Dans l'annonce, il y avait comme trois images en bas. Puis c'était comme deux mains qui serraient. Hein? Ah ouais, c'est un petit vaguement quelque chose. On va reprendre ça. On a peut-être crush un petit peu. Juste un petit peu. Je sais pas si c'est à cause du terrain ou si on boite un peu. Maybe both. Point positif, on n'aurait pas pu passer avec les roches. Fait que c'est pas d'une faute. Ben, on aurait pu arrêter de le faire avant. Simon, are you there? Catherine, is that you? Comment ça, I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? Bye, Catherine. You okay? Et c'était la dernière fois que nous parlons à Catherine. Yep. Intercom, qui me semble être une compagnie
Internet, ça se peut-tu aux États-Unis? Marking internet business personal. C'est, fait que ça dit que t'ouvres un channel, puis après ça tu tiens le microphone, le bouton du microphone pendant que tu parles. On n'avait pas l'air de faire, mais tu peux. Il y a des places, c'est pas chouette payer, on dirait. C'est que tu mets tout ton fils dedans, ouais. C'était peut-être une mauvaise idée. Hein? Mais voyons. Je suis en train de faire quelque chose, hein? Un échelle à ses côtés, je sais pas. Je l'aurais fermé pour pas laisser comme plein d'eau rentrer ici. Mais... Ok, il y a une affaire. Hein? Ou on va se faire noyer. Je sais pas si c'est le jeu qui est fort ou si tu parles pas fort aujourd'hui, mais moi vraiment qu'il y a du bruit dans le jeu, moi je t'entends pas. C'est le jeu. Je sais pas si on t'entend dans le stream. Hein? Oui, oui. Il faudrait que je passe le son du stream. Elle a dit je pas de stream. Tu l'avais-tu joué, tout le monde, ça? Je me souviens pas. Je l'ai commencé. Je pense que j'ai fait le premier boss, puis c'est tout. T'avais trouvé ça trop difficile, quoi, dans le temps, ou? En fait, je comprenais pas comment continuer. OK. Dude. C'est un océan. Ouais, big. J'étais rendu à une place où c'était juste des dragons qui attaquaient, puis je savais pas comment passer sans mourir. Ok. Ou je sais pas où aller après. Ça, c'était sur la PS1 dans le temps ou PS2? Me semble. Ah, fait qu'à la limite. PS3, non. Grab! Techniquement, on pourrait le faire quand même en stream si on le fait sur la PlayStation qui était avant. Non, c'est PlayStation 3. Mission. Ouais. Merci. Surtout la 3, je suis pas mal sûr que ma carte, ma capture card marcherait quand même. Le 2, je serais pas sûr parce que. Non, mais. C'est pas d'eau s'il y avait déjà les affaires de HD, puis je pense que c'est une prise HD que ça me prend dessus. Il est juste sur le original et PS3. Sur le original et PS3. Le Demon's Soul est sorti sur le PS3. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, fait que toi tu continues que sur le 2. Ouais, je disais si sur le 3 c'est encore plus cool parce qu'il y a plus de chances que je préfère comme l'original. Parce qu'on s'entend dessus que m'acheter une PS5, ça va prendre du temps en crise. Ouais.
Là, je disais que j'étais pas sûr si ça aurait été sur PS2 si j'aurais pu vraiment jouer avec ma capture card. Ok. Fait que c'est encore mieux si c'est sur PS3. Parce que je suis pas mal sûr que PS3 ça marcherait. Fait que ça, c'était le signe de Lambda, me semble, justement. I think so. Maybe. Fait que là, toutes les personnes qui jouent comme le remake sur PS15, PS15, bon, PS5. Mm-hmm. Puis là, moi, je vais être comme la Nanoware qui joue sur la PS3, le vieux. Oh, gee, Demon's Soul. Demon's Soul puis Dark Souls 1, c'est deux que j'ai jamais joué, puis c'est intéressant d'expérimenter. Crab! 2, crab 3! Ouh! 4! Oh wow! T'as une armée là? Ouais, c'est ça. Puis ils ont pas l'air d'être affectés par le tennis. Mais... juste des chaises qui traînent de même, moi. Ouais. Avec Lambda. Puis on a le petit truc comme si ça dit qu'il y a un ennemi proche. Super. On n'a pas marché 350 mètres. Ben, on n'est pas encore là. Ok. Bouge-tu? On dirait pas. Il bouge. C'est tous des robots pour vrai qui sont devenus fous, ça, ou c'est des personnes, ça? Des personnes qui sont dedans des robots, ouais, peut-être. Qui sont rendus fous. Bonne chose. Me semble, Demon's Souls pis Dark Souls 1, les deux sont quand même... une partie des genres de ça, je sais. C'est quand même reconnu pour être relativement difficile, effectivement. Mm-hmm. Genre, je pense que le plus facile que les gens disent, c'est le 2, si peux-tu? I don't know. C'est pas un truc que j'ai pensé à regarder. Ok, ce serait probablement le 3 s'ils essayaient d'avoir de plus en plus des gens. Je sais pas, mon vrai. Ah, c'est content, le 2 c'est plus ça. Fait qu'il nous faut une carte Cortex pour faire partie de ça. Fait qu'on va pouvoir, on va pouvoir techniquement faire de quoi avec ça. En théorie. Je sais pas si ça me sert à quelque chose, allez voir. Il y a l'air de correct, il n'y a pas les yeux rouges. J'ai quand même un avertissement qu'il y a un ennemi. Je me demande si c'est vraiment ennemi ou si c'est pas plus comme quelque chose qui dérange comme la mentalité du perso. Ce serait logique que ce serait ton deuxième option, ouais. Une méga marche fort là, je pense pas que c'est quelque chose comme ça, mais ça va quelque chose là-dessus.
Mais là, pourquoi que ça lui dérangerait sa mentalité, cette petite affaire-là? Il a l'air full cute. Bonne question. Il a l'air full cute pour nous autres, peut-être pas pour lui. Ok, c'est chaud. J'étais comme, c'est quoi cette lumière? C'est comme, finalement, elle avait comme un ennemi dans le dos depuis le début, mm-hmm. genre. Elle savait pas. Il te suivait. C'est ça. Est-ce que je tourne déjà? C'est un sac de patates, tu penses? Un sac de chips? Mmh. Il y avait une drôle d'apparence pour ça. Ça ressemblait à un take-out bag. Ou un MRI? Ou je sais pas. Oui, quoi? Oui, c'est vrai. Tu rends un peu acceptable comme son, je trouve bien sympa. Ben, les seules parties fortes, c'est quand que c'est les trucs de même qui arrivent, autrement, c'est correct. On a eu un achievement apparemment pour découvrir l'âme de. Wouhou! Ça s'appelle Chasser Catherine. Oh, Catherine! C'est ça. Here's Simon! Tellement. Mon chat. J'ai jamais vu, hein. Je pense que c'est un film-là, toi. Non. Je suis les gifs. Catherine? Oh, ok. Faut juste pas la regarder, on est correct. Fait que juste pas la regarder. Fait que on slide. You too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. I mean, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsala. The door opener? That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. On est pas mal rendu comme... Ok, je suis tiquée. On est rendu au dépression state of acceptance. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. Fini même pas de parler. Je suis
je devrais être correct pour pas faire des cauchemars, mais c'est des enfants. C'est un truc que j'ai. C'est des lunettes. Okay. Des lunettes. Bah là. Imagine. Ben, j'imagine que tu peux en avoir un tour de la driving suit. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Mais à quoi ça servirait? What was I said before? Are you from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. C'est, mais à quoi ça servirait de comme tout scanner les humains puis d'être comme juste un ordinateur dans l'espace? C'est comme. De vouloir essayer d'être comme immortel, là, c'est comme tellement un des fléaux, je trouve, de l'humanité, en tout cas. Ou c'est juste envoyer la mémoire de nous. Ah, peut-être, ça serait plus logique. Ouais, non, moi aussi j'aime bien l'ambiance du jeu, là. Ils ont vraiment bien réussi de ce côté-là. Can I make any comment? Say something? Sorry, I'm still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Wow. Old. Qu'est-ce qu'il y aurait contre les Canadiens qui iraient là, hein? Je sais pas si c'est se faire toucher par ce goût-là qu'on pense que c'est le gel. Il fait du dommage. Mettons dessus, on verra. On a une place. I think it's back. Keep your eyes peeled. Mais faut pas que je le regarde, fait pourquoi je garderais mes eyes peeled? What are you doing? Be careful. C'est pas moi qui est en train de faire ça. What happened before? The creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Fait que c'est de Mathias Josic. La date, c'est le 12 janvier 2103. Le message, c'est Chris. Je suis resté debout toute la nuit. On dirait. C'est pas mal une perte de sommeil. J'ai la télévision en arrière qui fonctionne. Puis les personnes dans les nouvelles sont en train de couvrir la comète qui s'en vient. Comme s'ils comptaient pendant le réveillon de la nouvelle année. Je sais que c'est vraiment
Mais stop, je peux pas dire ça. Tout mélangé? Attends. Mist. Non. Foiré. Tout gâché. C'est pas vraiment même qui veut dire, c'est comme. C'est vraiment fou, genre, mettons. De penser que je voudrais que tu sois avec moi. Je suppose que si quelqu'un a une chance de survivre cette chose, ce serait vous en dessous des vagues. J'espère que tu vas être capable de continuer. Si c'est une vie qui vaut la peine de vivre. Je dirais que la merde est pour arriver. Je suis mis d'envoyer mon message avant que les vagues de choc nous atteignent. Je suis fière de toi, mon garçon, papa. Really ils ont no même des enfants ici. Apparemment. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. On peut même pas laisser. C'est tout en chinois. Littéralement. Ouais. Ah ouais, c'est pas From Software qui fait le remake? Ils ont le droit de faire ça? J'ai pas joué. Ah, on lance, ça fait du bruit au moins, ça. Au moins. Ah, s'ils ont acheté les droits, ils pourraient. Le faire le remake, même si c'est pas d'eux. C'est quoi qu'il fallait qu'on fasse déjà? Complètement oublié. Qu'on aille dans une autre pièce pour que Catherine check quelque chose. What happened to the tower? And the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Lui est parti là aussi. Catherine? What? Nothing. Never mind. Oh, ça parle même pas de. Je sais pas où, mais c'est que. Je vais te voir partout, moi, ça. C'est une place vers ici. Ah, ouais. Oui, oui. Ah, là, c'est ça. Ouais, ouais, non, je comprends. Bah, les remakes, en général... Non, attends. C'est quoi, remaster puis remake? Il y en a un que c'est genre comme qui vont changer un peu le jeu puis le mettre comme avec les graphiques comme plus récents, puis l'autre c'est juste mettre les graphiques plus récents. C'est plus. Mais ça, remake, c'est lui qui change un peu, puis remaster, c'est lui qui font juste changer les graphiques. C'est pas mal ce qu'il faut aller. Je veux juste le voir. En quoi que c'est vrai, ça, cette pièce, on pouvait déjà aller. On est pas ici. Mais c'est cool. Ouais, c'est ça, ça serait un remaster de ce que tu comprends. Que tu as décrit. Je sais qu'il y a une compagnie qui est bien connue justement pour faire des remasters. C'est Night Dive Studio, je pense que c'est ça. Ils sont en train de faire. Je me souviens pas s'ils l'ont fini. System Shock qui refont.
Fait que on va récupérer dans le fond les data de Ark. L'opinion. Les opinions des gens. Fait qu'on a Robin Bass, le 7 juillet 2005. Why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. On a Jan Pedersen, le 8 juillet. What are your thoughts? Something to do, am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it, but it's not gonna be easy. J'étais comme, vas-tu dire quelque chose quand il part? Non, on a Marc Sahang, le 9 juillet, une journée encore plus tard. Ouais. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Les environnements de... inside the Ark? Yes. There's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Fait que c'est Cyan version 2. Ça a 5.11 carrés de kilomètres. Puis il est carré? Sinon, c'est... Non, juste... J'ai rien dit. Ah, ce sera pas pied kilomètre. Mm-hmm. Sinon, c'est un espace modulaire. On a Keywood version 4. Puis c'est 12.2 d'espace. Decidius. 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 C'est une sorte de feuille d'arbre, genre. Il y a fait qu'une forêt feuillue mixte. Genre. Cela, on voit pas des mains dedans. Cela, les humains sont comme des taches blanches. Puis sinon, on a Horus version 2. C'est 2 de grandeur. Puis sinon, c'est un parc urbain. On a les plans du Ark. Une espèce de container. On dirait. On dirait un bagarre rouge. Ouais, c'est ça. La distance maximum ou la performance suffisante serait le bleu. Sinon, le jaune, c'est l'orbite idéale du Ark. Le rouge, c'est quand tu es le plus proche du Soleil. Sinon, ça dit Vénus, puis Mercure, puis le Soleil. Et la Terre qui est ici. Il n'y a pas beaucoup de différence comparé à l'original. Juste l'interface. Quelques améliorations, mais c'est pas si majeur que ça. Cool.
Ils ont fait une bonne job pour justement préserver la l'original. C'est cool. Puis surtout, ça va permettre plus de personnes justement à le jouer. Parce qu'on s'entend dessus que c'est une nouvelle génération de personnes. Il y a repris en personne qui va avoir une PS3. Fait que c'est une affaire de calibration. C'est-à-dire, bienvenue. Si vous lisez ceci, vous avez réussi à rentrer avec succès dans le ARC. Ce questionnaire-là est désigné pour donner aux développeurs une compréhension, une meilleure compréhension de votre expérience subjective et de comment améliorer votre bien-être. S'il vous plaît, continuez avec le questionnaire. Ben, on va répondre au questionnaire quand on n'est pas dedans. Ah ouais? Fait que, comment est-ce que vous décrirez votre condition physique? Le 1, c'est que je me sens bien. Le 2, je me sens envigorée. Une meilleure version de moi-même. Le 3, c'est je me sens comme un alien. Je suis un visiteur à l'intérieur de notre corps. Pas mal ça, mais en tout cas. Puis laquelle, c'est j'ai l'impression d'être pas réel, pas plus une vraie personne. J'imagine si on va avec vraiment comment est-ce que le personnage se sent présentement, c'est vraiment le trou. Comment est-ce que vous décrirez votre condition mentale? Le 1, c'est je me sens normal. Le 2, je me sens déconnecté, une séparation de mon esprit et de mon corps. Le 3, c'est je me sens altéré, un changement de caractère. Le 4, c'est je me sens perdu, j'existe plus maintenant. 2, j'imagine. J'imagine que ce serait probablement le 2 qui dirait. T'as toujours ta PS3, même ta PS1. PS1, j'en ai jamais eu. J'ai eu PS2. Mais PS2, je jouais les jeux de PS1 aussi. Fait que c'est ça que je trouvais cool. Je les ai encore, là. Ils sont derrière moi, hein. Comment est-ce que tu décrirais ta condition mentale? Ah non, c'est un autre jeu. J'ai juste pas cliqué le net. Le 3. Comment est-ce que vous décrirez vos sens? Le 1, c'est comme attendu, normal. Le 2, c'est je me sens plus sensible puis plus aux aguets de mon environnement. Le 3, c'est je me sens bloqué, comme si mes sens étaient atténués. Puis le 4, c'est j'ai pas de sens, ou plutôt... Non. Il manque un ou plus de mes sens naturels. Je dirais que le 2, parce que tu regardes pas mal de talentour. Ouais, pis tu sais, techniquement, à part que genre, on n'avait pas conscience que nos bras étaient pas normaux, genre. On n'a pas nécessairement l'impression de pas avoir un de nos sens, genre. Pour l'instant. comment est-ce que vous décrirez la sensation de votre nouvelle condition? Le 1, c'est plaisant. Le 2, c'est je n'aime pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le 3, c'est déconcertant. Tout semble construit, comme faux, genre. Le 4, c'est déprimant. Je ne peux pas enlever le sentiment d'être comme justement être faux. Ce serait probablement le 2 qui dirait. Ou le 3. Moi, 3. Est-ce que vous êtes troublé par le fait que vous êtes plus strictement humain? Vous n'êtes plus strictement humain. Le 1, c'est non, je me sens bien. Le 2, c'est un peu. J'ai l'impression de m'être perdu moi-même, d'avoir perdu mon whatever. Le 3, c'est oui, je suis en deuil de mon existence
précédente. La case, c'est je m'en fous quelle forme que je prends, aussi longtemps que je continue à aller de l'avant. Ce serait probablement deux avec les commentaires qu'il dit. J'ai deux, moi aussi. Le 6, comment est-ce que vous percevez votre nouvelle existence? Le 1, c'est une continuation directe de ma forme précédente. Le 2, comme un nouveau chapitre de ma vie. Le 3, c'est comme être né à nouveau. Un complet... over. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Recommencement? Non, t'as... Recommencer. Fait que... Ouais. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Puis le 4, c'est complètement quelque chose de différent. Ça n'a rien à voir avec ma vie précédente. Techniquement, un, je pense. Ouais? Parce que... c'est pas mal direct d'un... de notre ancien à notre nouveau. Ouais, on a comme pas eu de conscience qu'il y a comme eu un changement à part que là, comme tout l'environnement ouais, différent. Il ouais. Y a pas eu d'espace. C'est vrai. Le 7, est-ce que vous pensez que cette nouvelle existence va être une vie qui vaut la peine de vivre? Le 1, c'est oui, autant que ma vie précédente. Le 2, c'est oui, mais avec moins de... signification. Ouais. Le 3, c'est peut-être qu'on peut trouver un sens à notre raison d'être dans ce monde-là. Puis le 4, c'est non, c'est trop détaché de la réalité et puis de tout ce que je connais. 1. Ok, non, ça c'est moi, c'est pas lui, mais moi c'est un. Le 8. Est-ce que t'aimerais mieux être retiré de ce projet et accepter la mort? Non. Le 1, non. 2, c'est peut-être, j'ai besoin d'y penser. Le 3, c'est oui. Non. Vos réponses ont été enregistrées. Merci d'avoir participé, l'équipe de ARK. Sinon, on a le traceur de ARK. I found a tracker homed in on the ARK. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Fait que là, on voit encore comme Terre, Vénus, Mercure. Puis, ça nous dit en bas de sélectionner un secteur pour le scanner. On va voir au projecteur, j'imagine. Fait juste comme ça rapprocher de plus en plus. On se rapproche de Whiskey, peut-être. On est à Theta pour l'instant, on est peut-être plus loin. On est à Lambda, non? Lambda, c'est vrai. Ok, fait que peu importe ce que je scanne, ça me rapproche. Non. Oh. Ok. Fait que. Ah, oh, ok, pas celle-là, apparemment. Fait que c'est juste que ça a donné que j'ai tout le temps cliqué à bonne place, apparemment. I found it. It's at a site named Tau. It's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Mais techniquement, elle est probablement déjà dessus, Ark. En théorie. Si c'est elle qui a fait ce projet-là, puis tout. Nous, par contre,
Je penserais pas nécessairement. Quoi que ça dépend, j'imagine. Ça dépend, j'imagine, combien de versions qu'il y a de nous. Ouais. Vu qu'elle, elle a déjà comme plusieurs versions. Genre que. Elle qu'on parle présentement, c'était dans les débuts. Mm-hmm. Fait que ça dit, le arc a été localisé, Pathos 2, site Tau, qui est l'infirmerie. Puis là, ça nous dit la latitude et la longitude. Nord-ouest. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door, the Omni-tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the... We need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni-tool on it. Okay, then. Let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Je suis quand même étonnée à quel point notre personnage est optimiste. Pour ça, peut-être qu'il pense qu'il peut aller sur le arc. Right, ouais, ben c'est ça son but. Come pick me up. Ou ben... De toute façon, avoir un but... Peu importe ce que c'est quand t'es depressed. Ouais, mais moi, c'est plus dans le sens, genre, comme... J'aurais pensé qu'il aurait été tellement sous choc qu'il aurait comme été un peu dans le déni plus que ça. Ah, OK. Mais il est comme direct quand même assez petit. Il a peut-être déjà été dans le choc. OK, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. C'est comme sa carte, genre, elle est comme infectée, on dirait aussi. Ouais. C'est une bonne idée de vraiment mettre sa carte. Mais oui. Dans le arc. Mais oui. Affecter le arc. Ouais. Fait que c'était un cortex, elle, fait que ça va nous permettre de schématiser la fois qu'on n'avait pas le cortex. Ouais. Mmh. Et là, techniquement, elle pourrait plus nous parler. En théorie. Pour l'instant, tu peux. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Awesome. Sorry, it's dead. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni-tool. There. Should help you get around. Great. Ça, non, des fois, juste avoir un plan quand t'es perdu, ça aide. Ouais, bien sûr. Ça aurait été cool de comme avoir une map sur le mini tour, mettons. Là, si tu le sens, ça fait quoi? Si on a un robot, c'est ça que ça fait. Ah, ok. T'sais, si on a un robot, on aurait pu avoir une map qu'on fait apparaître devant nos yeux. Ouais, ouais. Ça. Ouais.
J'imagine on va suivre ça. On n'est pas là. Je vais vers la bonne place, tu peux parler? Je me disais, c'est-tu comme une image de nous-mêmes qu'on voit de même? Mais il a attaqué Catherine devant nous, fait que c'est ouais. Ça. Puis au moment où t'as dit nous-mêmes, t'as regardé un crabe, fait que je me suis dit, tu penses-tu que t'as un crabe? Le crabe, c'est-tu une image de nous-mêmes? Ouais, ouais. Parce qu'elle disait qu'on était une diving suit avec des affaires électroniques, genre. Puis il ressemble vaguement à une diving suit, je trouve. C'est vrai. Quand tu marches, à la place de mettre des sons de pas, il aurait dû mettre, quand tu marches dans l'eau, ça fait bouf, bouf, bouf. Il aurait dû mettre ça à la place. Ben, quand on court, ça fait déjà vaguement un bruit, comme si justement c'était comme des pompes hydrauliques ou whatever, genre. Je trouve, en tout cas, quand on court puis quand on saute. Là, on l'entend moins en l'eau, hein. Mais je suis pas chaud d'aller vers là. Bouge pas, puis attends qu'il passe. On va dire que tant que tu le regardes pas, genre il finit par partir. Probablement ça. Probablement le cas. Même que la flash check devait pas grand chose. Ça m'étonne pas. Écoute bien, ça répète une high-tech flashlight qui éclaire super gros dans l'eau, ok? Apparemment, ils n'ont pas pensé à upgrader ça. Il y a pas mal de débris métalliques. Ouais, hein? Mais c'est dramatique à ce fait. Fait qu'il y a l'air d'avoir comme une qui marcherait là, justement. Une de ces appareils-là qui marcherait. C'est probablement là qu'il faut aller, Dan. Voilà, on ne sert rien d'autre à visiter. Je me suis demandé les chats. Voilà, on a beaucoup de choses, tu sais, comme t'as beaucoup de choses comme de. Oups, je m'en ai pas. Comme dans l'environnement, c'est pas une chose.
T'as beaucoup de choses comme de l'environnement, genre comme ambiance. Tout. Mm-hmm. Mais t'as pas comme d'avoir grand chose qui est comme hors histoire à checker. Ah, ok. Maybe not comme yet. Les documents. Ouais. C'est, mettons comme les documents qu'on ramasse, c'est comme tout dans les places comme histoire, je pense, je trouve. Je sais pas comment expliquer. Je regardais s'il y avait une façon d'aller comme sur l'échelle qui était bon. Mm-hmm. On flash un peu. Mm. Ouais. Flash un peu. Apparemment, juste l'éteindre pour la rallumer, ça va être correct. Des bruits super. Ben ouais. C'est la place qui dit bonjour. Mm-hmm. Blague. Changement de place probablement. Alright, we're in. That's ouais, on a eu un scan, fait que. Il était 43 d'ailleurs. Je trouve ça drôle que tu dis ça même. C'est approprié. Ça a quand même vraiment l'air de Catherine, en plus. Ce qu'on voyait sur les manches. Pas capable de reconnaître, personnellement. Ok, affaires, merci de passer. Hein. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. On va finir dans pas longtemps aussi. J'approuve à 100%. Mais quand même que genre ça marche encore sur même. Hein. J'imagine vu que c'était quand même dans une bâtisse sous l'eau, justement. Il devait avoir mis les affaires relativement protégées waterproof. Thank you.
regarde pas, là, cherche. Ça va changer une histoire. Hein. Je veux juste. Parce que je suis pas sûr si on a manqué quelque chose à la fin, vu que je me suis éloigné un peu. Puis... Ok. Des corps morts demain un peu partout ici. On va avoir plus visible ici que la dernière place qu'on était. Ouais, c'est ça. Bon, ici, ça a moins l'air. Ça a l'air plus comme habitat plutôt que scientifique. Recherche. Ouais. Puis énergie. Holy fuck! Qu'est-ce que tu fais apparaître dans la face de même, fucker? Ow. C'est pas juste qu'il t'apparaît dans ma face comme ça. Point positif est ton spawné proche d'un healer. Ouais, c'est ça. Ben, c'était comme où est-ce que je me suis fait assommer. Ah, ok. Je sais pas si c'est une bonne idée, c'est lui. Par contre, on a de plus en plus des barres noires qui apparaissent dans notre face. Puis apparemment, on fait quelque chose. Why not? Un bruit de même derrière moi. Regarde, t'es un visiteur weird, c'est pas de sa faute. On est les deux des visiteurs, ok? Ouais. Ouais. Pas cette barque là, j'ai compris. Apparemment, il voulait vraiment pas. C'était pas ça, on est correct.
On ferme la porte. Si tu regardes à terre, est-ce qu'il check autant que ça? Ok. Ben, ça check quand que tu t'approches de lui aussi, pas juste quand tu le regardes. Ok. Je sais rien que je peux faire dans ça. Juste regardant dans sa belle direction, même si t'as des murs en tout, puis lui, ça le fait. Looks like it. T'es même pas là. Avec la valve. Quelle valve? Il va une valve à droite. Celle-là? Ah oui, peut-être qu'on va descendre une échelle. Mais non, t'entends rien. Y'a rien qui se passe ici. Wouch, wouch! Wouch! Regarde de monter des échelles, hein, comment? Pas faire monter l'échelle, je vois. Lol. Donc. On a une autre canne. Wouhou! Ouais. Je vais être sûr, je pense. Ça dépend. Si on a j'imagine un monstre tout le long. Là. Ouais, j'imagine qu'on va arrêter là, vu qu'on sait pas c'est quand que ça va re-sauver, là. Parce qu'on est déjà pas mal proche du temps qu'on arrête. Fait que c'est ça. Fait qu'on va continuer techniquement ce mois demain, mm-hmm. en après-midi, vers 2h30, 3h de l'Est de l'après-midi. Ça, on va commencer à cette merveilleuse place-là qu'on se fait chasser par un monstre qu'il faut pas regarder. Ben oui. Ça va être une belle place à commencer. Ben oui. Happy. Ouais. Merci pour cette interview. Thank you for coming. Et à la prochaine. See you next time.